Eh bien, chers amis du site TMR, on ne pouvait pas rêver mieux. Nous sommes en plein dans la répétition de l'épisode 2 du concert associant les meilleurs musiciens rassemblés sur ce navire. Évidemment, Manu Dibango est avec nous, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Danny Doris, le fils spirituel de Lionel Hampton et son vibraphone. Je vous laisse profiter de cette séquence et on lui posera quelques petites questions juste après. Danny Doris, ça va, tout va bien? Après cette dernière note, on est en pleine répétition. Ça pourrait être pire, je crois que la vie pourrait être pire sur ce bateau. Absolument, le temps est beau, la mer est clémente. Ça swing un petit peu, mais ça swing beaucoup, surtout sur scène. Ça swing beaucoup. Il y a beaucoup de très très bons musiciens. Il y a un public absolument extraordinaire et des animateurs, alors formidables. Oh, c'est. Il faut le dire. C'est, mais en tout cas, c'est très agréable pour vous de passer ces 12 jours de croisière avec un public de passionnés et connaisseurs. C'est vraiment un immense plaisir de retrouver tous les soirs un public chaleureux et qui aime cette musique. Ça, c'est formidable. Et puis, on ressent surtout la complicité avec tous ces musiciens qui vous environnent et surtout une réelle complicité avec Manu. C'est une grande famille, cette musique de jazz qui swing. C'est une très grande famille. En tout cas, le rendez-vous est prêt. Nous vous y convions. Des images, évidemment, sur le site très prochainement du concert de ce soir. Alors, restez connectés sur le site TMR TV. Bravo. Nous on fait bien. Ouais, ben nous on reste debout. Mais l'appareil. Voilà, c'est direct. Ah ouais. À mes côtés, celui sans lequel ces 10 festivals de jazz en mer avec TMR n'auraient jamais vu le jour, avec la complicité de Jean-Maurice Ravon, président de TMR, ce monsieur, Jean-Pierre Vignola, nous a chaque année rassemblé les meilleurs parmi les meilleurs et surtout, il nous a rassemblé une grande diversité de musiciens. Quel est ton secret, mon cher Jean-Pierre ? L'amitié. On est tous une bande de copains depuis 40 ans et on aime se retrouver ensemble et faire la fête. Et on s'est pris des pieds monstrueux avec les croisières TMR.
on vient rigoler. Faut pas trop insister, on serait prêt à donner de l'argent bientôt. Ah ça, ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, tu le sais, ça à mon avis. Oh bah tiens, ton téléphone est en train de sonner déjà. Jean-Pierre, c'est dire la réactivité de Monsieur Ravon. Enfin, et ça c'est vrai, je sais que les passagers le ressentent réellement parce qu'ils nous suivent, hein, certains. Et on fait partie des 10 festivals, tu les retrouves avec assiduité. À chaque fois, oui, et avec grand plaisir. Ça a été une découverte. Bon, on a des souvenirs de croisière, il y a de ça très très longtemps. On était entassés à 6 ou 8 dans une cabine près des moteurs. Bon, ça a bien changé grâce à Jean-Maurice Ravon. Et on vient, c'est un grand plaisir de retrouver tous ces amateurs. On rigole. Et ça va bien. L'amitié, la rigolade et le jazz, ça fait bon ménage. Ben merci Jean-Pierre. Et moi, j'ai envie de vous dire, bien rendez-vous pour le 11e festival. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore quand. Mais dès que nous aurons trouvé le bateau, eh bien, c'est certain qu'on aura, je l'espère, l'occasion de se retrouver. Ah, faut faire une pétition, là, faut y aller. Jean-Maurice, la 11e. Jean-Maurice, la 11e. Selon le vieil adage, jamais 11, jamais 10, 111. Très belle journée. Salut Jean-Pierre, merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. To tell my daddy everything, Lord.